C'est vraiment étrange que le professeur Arnold ne soit pas revenu après la récréation. École finie? Non, Morphel. Il faut retrouver le professeur. Change-toi en voiture de course. Regarde. Oh non, professeur Arnold. Que s'est-il passé? N'ayez pas peur. Nous trouverons un moyen de vous sortir de là. Oui. Regarde, voilà Monsieur Vent Debout. Papa, on va te sortir de là. Attends-nous, on va revenir. D'accord, il faut aller par là, Morphel. On y est presque, Yann. Oui. Ajoute des fusées à la voiture. Plus près. Je te tiens. Oui, tu l'as eu, Stan. Waouh. C'est Atmo qui a gelé papa et les autres. Il a un rhume. Atmo, ici. Il faut que tu ailles chez le médecin, Atmo. Il pourra t'aider à te sentir mieux. Morphel, transforme-toi en ambulance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Atmo est enrhumé et quand il éternue, il gèle tout ce qui est devant lui. Je dois avoir un médicament pour soigner ça. Il ne nous reste plus qu'à trouver le bon médicament. C'est celui-là? Ok, et que dites-vous de celui-là? Et celui-là? Non? Lui? Ok, celui-ci? Non? Bien, il ne reste plus qu'une bouteille. Ouf! Ça marche! Oui! Atmo, tu crois que tu pourrais faire briller à nouveau le soleil pour faire fondre la glace et dégeler tous ces gens? Non. Ah, vous voilà de retour. J'étais certain que vous réussiriez à résoudre ce problème. Allez, rentrons à la maison. Je boirai bien un chocolat chaud. Oui, chocolat. J'ai crois que j'ai très froid. Oh non. On va construire un grand château de sable. Morphel, transforme-toi en pelleteuse. D'accord, je vous présente Mouillette. Il a des pouvoirs magiques qui lui permettent de nager partout où il veut, et même s'il n'y a pas d'eau. Parfait. C'est exactement ce que nous recherchions. Ha ha ha.
Allez, Mouillette, envoie une vague directement dans la ville. Maintenant, on peut aussi être des pirates loin de la mer. Et maintenant, on peut voler tous les jouets qu'on veut. Et puis, voler toutes les glaces qu'on veut. J'adore les glaces. Et on peut aussi détruire tous les châteaux de sable qui ne sont pas sur la plage. Mais comment font-ils pour naviguer à travers la ville? Morphel, change-toi en bateau. Mila, Morphel, les pirates se servent de Mouillette. Utilisez le cerceau magique pour l'attraper. Mouillette? Morphel, change-toi en dauphin. C'était peut-être pas une bonne idée, finalement. Ah bah t'as raison, maintenant on est coincé. Comment qu'on va faire pour sortir de là? Oui. Oui, merci, joli fond. Beaucoup de glace. Oh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Oui, et ce n'est pas sain pour Morphel. Nous devrions sortir et trouver un compagnon humain pour ce joli fan. Ok, joli fan, montre à Géraldo ce que tu peux faire. Alors, qu'en dites-vous? Aimeriez-vous devenir le compagnon humain du joli fan? Non, 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 non! Mais c'est bien trop simple! Les crèmes glacées de Géraldo ne sont pas des glaces d'usine! Je suis un artiste! Oh! Mais le pompier Gérard n'a presque plus d'eau. Et Morphel qui ne peut toujours pas se transformer car il a mangé trop de glace.
Joli fond. Utilise ta glace pour arrêter le feu. Pompier Gérard pourrait devenir le nouveau compagnon humain de Jolifond. C'était fantastique. Tu es un vrai héros. Ah, un héros? Ah, ça va me prendre des jours pour nettoyer tout ce désordre. Ah, je crois que Monsieur Vandebout a raison. Je suis désolé que nous n'ayons pas trouvé un compagnon humain pour toi, mais... Ne t'inquiète pas. Il y aura toujours une place pour toi ici au magasin des animaux de compagnie magique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je recherche un animal de compagnie magique pour remonter le moral des enfants hospitalisés. Comment se portent mes jouets dinosaures, Morphel? Change-toi en ptérodactyle! Super! Vous êtes venu me sauver? Je suis coincé sur cette île et c'est rempli de... de monstres géants! Pas des monstres, ce sont des jouets dinosaures. Non, attendez, il va vous dévorer. Ne vous inquiétez pas, ce sont mes jouets. C'est le rayon magique du professeur Rachid qui leur a donné la vie. Waouh, vraiment? Morphel, change-toi en T-Rex aussi. C'est incroyable! Maintenant, jouons! Au revoir, les amis! Il y a un crocodile dans mes pommes. Oh, oh, oh. Ah, un requin. Et vous gagnez le prix du meilleur. Arrosons notre magnifique jardin, Barky. Attends un peu. Ce n'est pas un tuyau d'arrosage. C'est un serpent. Aujourd'hui, nous sommes les voleurs d'animaux sauvages. On vole des animaux sauvages et on les relâche dans la ville. Mais Stan, je pensais que nous étions... Chut! Relâchons le tigre. Ah! Oh! Oh non!
Morphle peut pas aider Morphle peur du tigre. Le tigre me fait peur aussi, Morphle. Il est très dangereux. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui, parce que tu peux te transformer en quelque chose de bien plus grand pour que le tigre soit effrayé. Oui, je sais ce qui fait peur à un tigre. Regarde, un grand T-Rex. Morphle encore effrayé. C'est normal, mais tu dois surmonter ta peur. Comme ça, tu deviendras plus courageux et tu auras de moins en moins peur. Maintenant, faisons fuir tous les animaux sauvages de la ville. Tu entends ça? Grâce à ces animaux sauvages, tous les habitants restent enfermés chez eux. Ils ont tous peur. Comme ça, on peut exécuter notre vrai plan. Oui, en fait, nous sommes des voleurs de fruits. Cinq fruits et légumes par jour éloignent les maladies. Donc si on mange tous les fruits de la ville, on n'aura plus jamais besoin d'aller chez le docteur. Et le docteur, ça fait vraiment peur. Tu entends ça, Morphle? Nous devons les arrêter. Change-toi en gros crocodile. Un énorme et dangereux crocodile. Voleur, vous n'avez pas besoin de voler tous ces fruits. J'avais toujours peur du docteur, mais j'y allais quand même. Et maintenant, je n'ai plus peur du tout. Parce que quand on surmonte ses peurs, on devient plus courageux. C'est vrai? Bonjour, vous voilà. Entrez, n'ayez pas peur. Il n'est pas du tout effrayant, Stan. Mila, Morphle, vous devez apporter cet œuf à Oncle Mortimer avant qu'il n'éclose. Il y a son nouvel animal magique à l'intérieur. Vite, Morphle, change-toi en voiture. Bonne chance! Un embouteillage! Évite les voitures, Morphle! Maintenant, on évite ce feu rouge! Oh non! L'œuf commence à éclore! Il faut qu'on aille plus vite! Morphle, change-toi en voiture de course. Cet animal magique est super, super rapide.
Mais c'était quoi, ça? Mais d'où vient cette araignée géante? Je crois que je l'ai entendu rire. Bon, c'est n'importe quoi. Nous sommes les voleurs des déjeuners. Oui, donnez-nous votre déjeuner. Mais je n'ai pas de déjeuner. Alors l'argent du déjeuner fera l'affaire. Oh non! Qui sera le prochain? Oh oh, ça n'a pas l'air bon. Sauve-le, Morphel. Rendez-moi mon sandwich! Je les garde! Maintenant, attrapons ces voleurs! Regarde, Stan, une araignée géante! Il est temps de sortir d'ici. Amateur. Quel héros, tu as sauvé tout le monde. Et mon sandwich. Tu n'es pas si effrayant après tout. Super pouvoir, idiot de Morphel.
Ben oui. Maintenant, Mila, super-héroïne. Waouh. Merci, Marvel. Ouh. Oh non. Reviens, Bella. Mila, la super-héroïne, ramènera Bella pour vous. S'il vous plaît. Mila, la super-héroïne, va arrêter votre camion. Ne vous inquiétez pas. Merci, Mila. Mon camion de glace. Merci beaucoup, Mila, la super-héroïne. Oh, ne m'en parlez pas, monsieur. C'est ce que font les super-héros. Mila, regarde. Encore une fois, Yann. Ok, Stan. Oui. Sors-nous de là, Yann. Mais nous sommes coincés. C'est tellement lourd. Merci, Mila, la super-héroïne. Oui. Les super-héros aident les gens. Mais sais-tu ce qu'ils font aussi? Non, que font-ils? Ils mettent les bandits en prison. Morphle, transforme-toi en train. Amusez-vous bien à la plage, tout le monde. Trouver.
Maintenant, le lion a disparu aussi. Mais où a-t-il bien pu aller? Morphle sait pas. Et maintenant, c'est la girafe qui a disparu. Voleur. Oui, on dirait bien que ces bandits ont dû les enlever. Nous devons les trouver. Ah, vous voilà, voleur. Qu'avez-vous fait de tous les animaux? Hein? Quels animaux? Les animaux qui étaient dans les wagons et qui ont disparu. Demande plutôt à tes singes pourquoi ils font ça. Enfin, je veux dire, l'histoire. Dommage pour les fleurs. La prochaine à nous raconter une histoire est Mila. Yeah! Mon week-end a commencé de manière très paisible. Je jouais avec Morphle quand soudain... Mila, c'est terrible. Des astéroïdes vont frapper la ville. Et nous avons besoin de vous pour les arrêter. Ça sent le roussi. Morphle, transforme-toi en robot géant. Super méga coup de pied. Youhou!
Murphle, tu es mon héros. Et le mien. C'est génial. Murphle est tellement cool. Ça a l'air d'un week-end vraiment passionnant, Mila. Qui est le suivant? Oh, je ne sais que commencer. Oh, Mila, les bandits ont un énorme dragon. Il n'y a aucun moyen de les arrêter maintenant. Murphle, transforme-toi à nouveau en robot. Allons les réchauffer un peu. Utilise les super ultra boucliers thermiques, Murphle. Ça ne marche pas. Non, stupide dragon. Mon héros. C'est vraiment de mieux en mieux. Tu es vraiment sûre que ça s'est passé comme ça, Mila? Tu parles et je n'ai pas encore fini. Et ce bouclier thermique, incroyable! Ce dragon a probablement dû se cacher quelque part dans une grotte. Hé, hey, c'est ma voiture! Murphle? Oh, oh. Super méga collision de voitures. Je suis désolé, Mila, mais des lapins de l'espace violet, vraiment? Pourtant, c'est bien ce que j'ai vu. La récréation. Ah, les enfants de nos jours. Quelle imagination débordante. Mon Dieu! Vous êtes très minutieux, officier de police Freeze. Mais je dois l'être. Deux commissaires de police vont passer pour voir si je fais du bon travail en tant qu'officier de police. Tout doit être absolument parfait. Alors, on ne vous retiendra pas. Bonne chance. Bye bye. Merci les amis. Pourquoi ne portez-vous pas votre chapeau officiel de nettoyage? Pas de chapeau. Chapeau de nettoyage? Désolé, vous devez être les commissaires. Bienvenue. Un bon officier de police devrait connaître absolument toutes les lois. Eh oui, je crois que je les connais, monsieur. Nous verrons bien. Oh, un feu rouge. Pourquoi ne chantez-vous pas? Chantez? Un policier arrêté à un feu rouge devrait chanter. Regardez-moi, le policier heureux. Trop tard. Une autre loi que je ne connaissais pas. Ne pas manger pendant les services. Tellement d'amende. Eh bien, je crains que nous devions vous emmener en prison, cher monsieur. Mais pourquoi est-ce qu'il l'arrête? Transforme-toi en voiture de course. Hé, hey, Mila et Murphle. Que vous est-il arrivé? Il s'avère que je ne connais pas la moitié des lois. Je ne suis pas apte à être officier de police. Ce n'est pas possible. Nous devons élucider cette histoire, Murphle. Ah,
pas des chapeaux dans le parc. Transforme-toi en buisson. Pas de pique-nique avec une couverture, ou près d'un arbre, ou avec un panier. Avec Peter Freeze Party, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, Yann. Ouais, Stan. Donc ils ont inventé ces étranges lois. Deux peuvent jouer à ce jeu. Oups, désolé. Vous serez désolé quand je trouverai... où il est? Laissez-moi voir. Non, pas celui-là. Où est-ce que c'est? Voyons voir. Ah, le voilà. Quand une personne heurte un commissaire de police, le commissaire de police doit continuer à marcher. OK? Viens, Yann. Ils doivent laisser leur sac de butin à la porte du poste de police et entrer à l'intérieur. Ils doivent maintenant enlever leur fausse moustache et crier « Nous sommes les bandits !» Attendez, cela n'a aucun sens. Ça en a pour moi. Maintenant, vous êtes en état d'arrestation. Voilà, espèce de voleur. Volé la veille de Noël. Quel culot. Attendez, je ne suis pas un voleur. Je suis le Père Noël. Bien sûr. Tu sais que le Père Noël transporte toujours des cadeaux, n'est-ce pas? Je viens de les déposer à l'intérieur. Regardez, les autres cadeaux sont juste là. Et voilà son complice. Quoi? Je viens d'arrêter un criminel. Le vrai Père Noël va penser que je suis un bon garçon, c'est sûr. Morphle? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Morphle, entends un bruit. Regarde. Je crois que c'est le traîneau du Père Noël. Mais où est le Père Noël? Morphle, Mila, trouve le Père Noël. Oui. Oh, le Père Noël est introuvable. Il ne reste malheureusement plus que quelques heures avant le matin de Noël. Les cadeaux! Toi et moi devons aider le Père Noël, Morphle, en allant donner les cadeaux à tous les enfants. Morphle, transforme-toi en reine! Allons-y! Et sauvons Noël! Ces cadeaux est pour Sarah! Et celui-là est pour les parents de Sarah! Prochain arrêt, la famille d'Agnès. Les prochains cadeaux sont pour Hugo et sa mère. Et pour le gardien du zoo Kenneth et tous les animaux. Tu vois, je t'avais dit qu'on aurait des cadeaux de Noël. Regarde, Stan, j'ai du charbon. Moi aussi. Et celui-là, c'est le dernier. C'est pour l'officier de police Freeze. Qui est là? Bonjour, officier de police Freeze. Morphle et moi sommes ici pour vous apporter votre cadeau de Noël. Super! Merci, Mila et Morphle. Voyons voir ce que c'est. Ah, une nouvelle paire. Juste ce dont j'avais besoin. Je viens juste d'utiliser celle que j'avais. Tu as attrapé un bandit? Non, Morphle. C'est quelqu'un en costume rouge avec une grande barbe blanche.
Et il a un renne comme complice. Ça ressemble vraiment beaucoup à... Père Noël. Oh, bonjour, Morphel. Pourquoi avez-vous arrêté le Père Noël? Non, ce n'est pas le Père Noël. Il n'a même pas de cadeaux. Et le Père Noël, lui, il a des cadeaux. Oui, c'est ça. Regarde. Oh, vous... Vous êtes vraiment le Père Noël? Oh, je vais vous faire sortir. Je suis désolé de vous avoir mis en prison, Père Noël. Je ne vous avais pas reconnu sans vos cadeaux. Ne vous inquiétez pas, Peter. Heureusement, grâce à Mila et Murphel, tout le monde a quand même eu ses cadeaux. Oui. Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous! Oh, non! Mon bus est tombé en panne. Comment vais-je emmener tout le monde à son travail aujourd'hui? Mais je dois être au poste de police. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Oh non! Je dois aller au zoo. Sinon, qui va nourrir les animaux? Et moi, je dois aller à mon camion de glace. Sans moi, il n'y a plus de crème glacée. Morphel, transforme-toi en bus pour qu'on puisse les aider. Merci, Mila et Murphel. Merci et au revoir. Mais de rien, officier de police Freeze. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ramener le marchand de glace à son camion de glace. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, maintenant je ne pourrai plus jamais atteindre mon camion de glace. Morphel, essaie de sortir de ce rayon. Bellissimo! Tu nous as sauvés, Morphel! Yeah! On l'a fait, Morphel! Tout le monde est arrivé au travail à l'heure! Oh oh! On est en retard pour l'école! Regarde, Morphel! C'est un œuf de Pâques! Morphel peindre aussi. Yeah! Transforme-toi en pinceau. Morphel peindre gros. Je suis presque sûr que les dinosaures ont de très gros œufs. Dinosaures? Oui, c'est une super idée. Peignons des œufs de dinosaures. Bonjour, Triceratops. Pouvons-nous peindre ton œuf? Tada! Ton œuf de Pâques est peint.
vivre, Marfel. Oui. Dinosaure heureux. Oui. Regarde, Marfel. Oh oh, ce n'est pas un tricératops, mais un bébé ptérodactyle. Changez les œufs. Ne t'inquiète pas, Marfel et moi allons te ramener ton bébé. Oui. Transforme-toi en hélicoptère. Voilà, on dirait que le lapin de Pâques vous a laissé un cadeau. Ouais.